La planète Terre, 7,3 milliards de personnes et tous avec les mêmes besoins, peu importe qui vous êtes et où vous vivez dans le monde, il y a une chose que nous avons tous en commun. Nous avons tous besoin de nourriture, d'eau, de vêtements et un abri, et où que vous alliez, vous devez payer pour ça. Le dénominateur commun de l'humanité est l'argent. L'argent crée un sentiment de sécurité. Il nous montre un moyen de réaliser nos rêves. Et, par conséquent, la plupart d'entre nous finissent par passer la plupart de leur vie à chercher à gagner de l'argent pour payer des factures, gagner leur vie et répondre à leurs besoins. L'argent non seulement nous aide à réaliser nos rêves, c'est aussi un instrument de destruction et certains associés à l'avarice, au mensonge et au crime. L'argent est à peu près le champion du bon et du mauvais, et pour beaucoup, il demeure encore un mystère. C'est un fait qu'aujourd'hui, les devises ordinaires ne sont sauvegardées par rien d'autre que notre propre estime. Les banques centrales à l'échelle mondiale tiennent notre avenir entre leurs mains et ne sont pas prêtes à lâcher. L'argent signifie pouvoir, et cette information peut vraiment vous renforcer si vous êtes prêt à être ouvert d'esprit et à apprendre la vérité sur l'argent. La crise financière de 2008 a presque détruit le système financier mondial. Les banquiers centraux et d'autres organismes de réglementation assument la responsabilité d'avoir mal géré la crise. De nombreuses personnes et sociétés ont fait faillite au cours de la nuit. Mais en même temps, de grandes possibilités sont nées. Il y a toujours deux faces sur une pièce et après des siècles de défis économiques, nous sommes sur le point de découvrir qu'il existe de meilleurs moyens. Au résultat de la crise de 2008 est apparue l'une des plus grandes occasions financières qui conteste l'ensemble du système monétaire en un simple battement de cœur. Elle a été créée et née après des années de frustration et de méfiance envers le système bancaire et monétaire. La crypto-monnaie était un fait. Qu'est-ce que la crypto-monnaie ? La chaîne du blog de Bitcoin a été rédigée en 2008 et en dépit des critiques des autorités de réglementation du secteur financier, des institutions, des gouvernements et des médias, elle avait une énorme augmentation de valeur. Seulement entre 2009 et 2013, la valeur d'une seule pièce de monnaie est passé de 0,1 dollar américain à plus de 1100 dollars. Les gens qui avaient investi dans Bitcoin sont devenus multimillionnaires en une très courte durée et c'est probablement l'un des succès économiques les plus débattus dans la réussite de l'histoire financière. L'un d'eux était un jeune Norvégien qui a investi 26 dollars seulement pour en oublier son existence. Quelques années plus tard, son modeste investissement de 26 dollars s'était transformé en plus de 850 000 dollars américains. Il s'agissait d'une leçon très coûteuse pour quiconque avait été introduit à Bitcoin à son stade précoce, mais l'avait délaissé. Que faire si la nouvelle technologie permet à tout le monde dans le monde d'être leur propre banque, exemptée d'impôts et de frais bancaires ? La crypto-monnaie est construite sur les mathématiques, un logiciel informatique technologique avec un code partagé qui connecte un réseau mondial par le biais de l'Internet. Mais comment savons-nous qu'on peut lui faire confiance ? Traditionnellement, nous sommes programmés pour faire confiance à des tierces parties comme des banques, des compagnies de cartes de crédit et des services de remise de fonds alors qu'ils assurent le suivi de l'argent par transfert de l'un à l'autre et nous payons énormément pour ça. Nous avons l'habitude de payer beaucoup d'argent pour quelque chose qui pourrait être gratuit. La plupart des banques de fiducie pensent qu'elles sont solides, honnêtes et fiables. Mais s'il y avait des moyens qui puissent supprimer ces intermédiaires et ces énormes charges, des montants qui sont moins coûteux, plus sûrs et plus rapides. Alors que beaucoup de gens s'associent avec le marché noir anonyme, il est en fait loin d'être transparent. Regardons un peu aujourd'hui. Vous avez facilement copié et téléchargé de la musique ou des films sur Internet. La crypto-monnaie est tout comme la musique numérique ou les films sur Internet. Alors écoutez attentivement, voici la clé pour comprendre la crypto-monnaie.
Pouvez-vous, avec confiance, savoir que votre argent numérique ne sera pas téléchargé aussi facilement que vos chansons préférées? Comment une monnaie numérique peut-elle conserver sa valeur et ne pas être copiée en ligne? La chose intéressante est que la crypto-monnaie n'est pas un fichier sur un ordinateur. C'est plutôt une entrée dans la base de données répartie appelée la chaîne de blocs publics. Nous allons la comparer avec les banques d'aujourd'hui. Elles gardent des registres sur chaque transaction. Avec un signe plus et un signe moins dans les bases de données, les crypto-comptes bancaires sont remplacés par un e-wallet que vous seul pouvez contrôler. Le grand livre de la crypto-monnaie est la chaîne de blocs. La chaîne de blocs, ou le livre de la crypto-monnaie, conserve un enregistrement de chaque pièce et chaque transaction jamais faite. Et elle est toujours équilibrée puisque la quantité de pièces n'est pas modifiable et qu'aucune pièce ne pourra quitter le système. Lorsqu'une pièce est envoyée quelque part, ce qui est vraiment en cours d'envoi est le contrôle de la base de données avec un code qui est la clé unique pour cette transaction particulière. Lorsque les transactions sont faites, le grand livre, la chaîne de blocs, est constamment synchronisé. Partout dans le monde, chaque utilisateur dans l'ensemble du réseau a une copie identique et puisque la chaîne de blocs est publique, elle ne peut pas être contrôlée par une seule personne. Il n'y a pas de point de défaillance unique pour pirater la chaîne de blocs. Les pirates informatiques auraient pour cible des milliers d'ordinateurs à travers des emplacements géographiques multiples, tout en même temps. Rien n'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile et la chaîne de blocs est beaucoup plus sûre que le système bancaire actuel. L'ensemble du système a le potentiel de remplacer les banques et les banquiers du monde entier. Beaucoup de gens sont heureux avec le système que nous avons aujourd'hui simplement parce qu'ils ne le comprennent pas, ou simplement parce qu'ils ne réalisent pas le montant d'argent que nous payons en honoraires à notre système financier actuel sur une base annuelle. La crypto-monnaie est tout le contraire du système bancaire d'aujourd'hui, comme elle est complètement transparente et que personne ne peut la changer, ni la quantité de pièces de monnaie ou les règles mathématiques de création après que les transactions aient commencé. La crypto-monnaie est donc, par la quantité limitée de pièces, impossible à augmenter. La devise vraiment possède le potentiel de rendre notre monde plus juste. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent sans un compte bancaire, alors qu'un plus grand nombre de personnes ont un smartphone qui peut vous donner accès à un service bancaire global personnel avec l'aide de la technologie de la crypto-monnaie. Les services bancaires pour tout le monde. La crypto-monnaie est ce que l'Internet était à la téléphonie. La chose la plus enthousiasmante est que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore vu, mais ce qui deviendra des plus importants dans l'avenir. L'avenir des paiements. Bitcoin a fait une percée remarquable et a mis la crypto-monnaie dans nos vies. Mais les pionniers ont rapidement démontré qu'il y avait beaucoup de place pour l'amélioration d'une réussite future. De nouvelles crypto-devises ont été développées et la sensibilisation du nouveau système économique a augmenté rapidement et a été l'ouverture des portes pour beaucoup plus de sécurité, plus de puissance et une crypto-monnaie plus conviviale. OneCoin, la crypto-monnaie 2.0. Le fondateur, Dr. Ruja, appelé Ignatova, né en Bulgarie et a grandi en Allemagne, a une solide expérience en matière de finances. Elle a complété ses deux diplômes de maîtrise en économie et un doctorat en droit simultanément à Coutances et Oxford en 4 ans seulement. Malgré son jeune âge, elle a déjà travaillé comme la plus jeune partenaire associée chez McKinsey. Tandis que chez McKinsey, elle a travaillé pour la Sharebank, Allianz, UniCredit, Refesen et d'autres institutions financières, elle a également mené à bien des projets avec Deutsche Bank à Francfort, configuration des opérations bancaires d'investissement russes. Elle était chef de la direction et directeur financier de l'un des plus grands fonds de gestion des biens de gestion, de millions d'euros d'actifs. Dès que la crypto-monnaie est devenue un succès d'échelle mondiale, le Dr Ruja a vu le potentiel dans l'amélioration de la nouvelle technologie et très vite est devenu un expert dans la nouvelle ère financière, la crypto-monnaie. Cela l'a amené à offrir des services de consultation pour plusieurs sociétés sur la crypto-monnaie et elle a depuis écrit des livres sur la crypto-monnaie qui ont été traduits dans plusieurs langues.
En 2012, elle a gagné le titre Femme entrepreneur en Bulgarie et en 2014, elle a gagné encore une fois pour l'innovation de OneCoin. Avec une telle expérience et l'urgence de vouloir améliorer la sécurité actuelle pour la crypto-monnaie, le docteur Ruja a amélioré la technique encore plus loin et elle a mis au point un nouveau système qui pourrait presque éliminer le risque de vol. La création d'une pièce traçable a prouvé être une bonne chose et a bien été accueillie et considérée comme une grande occasion dans les pays à travers le monde. Elle savait aussi que l'importance et la puissance d'un réseau actif et de quel effet elle pourrait avoir dans l'avenir. Et avec grande passion pour l'éducation, rapidement, elle a commencé à éduquer les gens financièrement, en leur donnant des outils pour reconnaître la possibilité qui était sur le point de décoller. Et le dernier, mais non le moindre, elle a fait en sorte d'ouvrir la porte pour tout le monde. Encourageant des personnes dans le monde entier pour être en mesure de tirer profit de la même opportunité comme toute personne compétente ou comme personne instruite avec les connaissances spéciales dans ce domaine. OneCoin a commencé le procédé d'exploitation minière le 23 janvier 2015 à un événement en direct à Hong Kong. Et depuis le lancement, a vu une énorme croissance de plus de 650 000 mineurs dans plus de 195 pays. Lors d'un événement en direct à Dubaï en mai 2015, la valeur de départ de OneCoin de 1,05€ a été fixée à deux fois plus que prévu. L'augmentation prévue de la valeur par rapport aux prochaines années est la suivante. D'ici juin 2016, les prévisions sont entre 2,2€ jusqu'à 5€. En juin 2017, d'après les prévisions, entre 50€ et jusqu'à 100€. Ça paraît trop pour être vrai ? Est-ce que le récit de Bitcoin semble trop beau pour être vrai ? Pour beaucoup d'entre nous, il l'est. Mais c'est arrivé de toute façon. Ce scénario n'est pas une garantie d'aucune façon. Mais gardez à l'esprit que l'augmentation attendue en valeur pour une pièce de monnaie n'est qu'une fraction des choses que Bitcoin a fait. La demande d'aujourd'hui pour OneCoin est très élevée. Principalement en raison de la simplicité de faire partie du concept, mais aussi parce que les gens sont en train de découvrir tous les avantages et la sécurité de OneCoin comme une crypto-monnaie pour leur donner. Avec une forte demande de la valeur attendue, une seule pièce recevra au cours des deux prochaines années une augmentation et nous pouvons nous attendre à un gain du capital. En juin, OneCoin a été mentionné sur le site internet xcoinx.com et en déjà aujourd'hui, le deuxième plus grand crypto-monnaie dans le monde. Et il a fallu un peu plus d'un an pour arriver à la capitalisation boursière de 1 milliard de dollars américains en rejoignant OneCoin. Vous obtenez la One Academy, une puissante éducation financière mise ensemble par le fondateur Dr. Ruja elle-même et une université. L'éducation est remplie des outils pour comprendre l'aspect historique de l'argent plus facilement. Vous pouvez choisir entre 6 différents niveaux de cette puissance éducation financière. La One Academy couvre tout ce dont vous avez besoin pour prendre l'initiative dans la nouvelle économie en développement. Alors comment pouvez-vous participer ? Pour faire partie de OneCoin, vous pouvez rejoindre le réseau OneCoin Global, vous pouvez créer un compte gratuit et lorsque vous décidez de faire partie de l'exploitation minière, vous pouvez démarrer aussi petit que 130€. En plus de la One Academy, vous sont donnés gratuitement les jetons qui vous permettront de faire partie du plus gros bassin minier jamais vu, où vous, en soumettant vos jetons, serez en mesure de générer des pièces sur votre propre compte personnel. Il s'agit d'aider autant de personnes que possible à faire partie du procédé d'exploitation minière sans les connaissances spéciales ou l'équipement. Un moyen très puissant de rendre les gens plus forts. Puisque la valeur de la crypto-monnaie est basée sur l'offre et la demande, il est facile de comprendre qu'avec un réseau croissant, la valeur augmente. OneCoin est de plus loin la plus récente, la plus moderne et la monnaie cryptographique la plus innovante dans le monde d'aujourd'hui. Et le fondateur Dr. Inatova Ruja a l'ambition, l'expérience et l'extraordinaire capacité d'éduquer des personnes à apprendre, à comprendre et à tirer profit de leur internet, la crypto-monnaie. OneCoin s'est depuis 2014 propagé autour du globe, a gagné du terrain de centaines de milliers de mineurs, négociants et utilisateurs, s'adaptant rapidement à la nouvelle société, l'amélioration de la vie des gens dans tous les coins du monde entier.
Le système monétaire actuel que nous connaissons aujourd'hui est devant un immense changement à l'échelle mondiale et nous entrons dans une nouvelle ère. Vous avez maintenant une occasion complètement transparente devant vous et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez la concevoir de votre propre préférence. Si vous êtes intéressé à bâtir votre portefeuille et de créer un flux de revenus rentable, c'est votre chance d'être à l'avant-garde de quelque chose de nouveau, quelque chose qui émerge et quelque chose que les historiens de l'avenir se référeront comme révolutionnaire. En rejoignant le concept que vous avez non seulement tiré profit de la crypto-monnaie, mais aussi vous positionner pour l'avenir de l'économie. Nous croyons que la prise de décision est fondée sur l'information. Et c'est maintenant à vous de faire usage de l'information qui vous est donnée. Assurez-vous d'obtenir des réponses à vos questions par la personne qui vous a montré cette vidéo et commencez. N'oubliez pas, ce n'est plus une question de si la crypto-monnaie va avoir une incidence sur notre économie future. La question est, êtes-vous prêt pour le nouveau changement économique émergent sur nous ?